Grand supporter et ami en coup de brouillon, comment nous y est? À moi excité pour me rentrer la caille, non? Comme d'habitude, avec une nouvelle vidéo. Et vidéo aujourd'hui, il y a pour titre, comment nettoyer rideau douche la caille. Juste avant que nous commençons la vidéo, n'a pas un petit temps pour juste nous dire merci parce que vous êtes abonné sur ce channel-là et que vous avez partagé ni à tout le monde qui est sous contact. Et demandez autour pour que vous fassiez de même, vous abonnez sur ce channel-là et vous partagez avec ça ni vous-même, ni à monde qui vous partagez ce channel-là avec vous, vous êtes capable d'arriver à joindre l'information, quel que soit à côté que vous êtes. Il y a vraiment dans Facebook, dans Instagram et dans Twitter. Alors, juste avant que je commence cette vidéo, je prends une petite pause, tout court, et je tourne, je vais débrancher. Pour l'IA, je vais tourner après la pause là et je vous remercie d'être toujours été connecté. Et comme je t'ai dit, petite vidéo, comment nettoyer rideau douche la caillou. Rideau douche, nous, soit toile ou bien plastique, besoin attention nous, tant que tout l'autre bagaille que nous avons dans la caillou là. Mais malheureusement, en pile monde, yo contente yo seulement remplacer rideau et yo remplacer yo les yo servi avec yo sale, yo grand pile maxa pour qui était qui collé et qui pas capable sortir dans rideau. Et parfois, ça arrivait le plus souvent lorsqu'une bien mon affine contente li bien passe savon, il suit colis, il s'est connu, mais après, il pas tenu compte pour le voyer de l'eau sur rideau, pour voyer de l'eau dans mirail là pour retirer qu'un savon qui collait sur l'eau. Alors, là que ou pas fait ça, eh bien, qu'un savon, li vin sèche dans rideau, ou bien dans rideau, ça ou le curtain en anglais, eh bien, li difficile. Pour lui sortir, surtout, les ou servir avec lui, les gens, yon layer après layer, yon couche après yon couche, eh bien, lui fort difficile pour que lui sorti, et c'est ça fait que, il vient paraître plus facile pour que moun yo, les ou ça, au lieu que, y aille en perdre du temps yo, puis yo, dans la question laver, dans la question frotter, eh bien, tout remplacer yo, ou bien, tout vous jeter, et yo prend l'autre rideau, yo servi avec yo et là yo sale yo fait même bagay là tout et en pile nan moun sa nan en pile là nous même des nous ni ou même ni moi-même nous pas connaît si rideau en plastique yo capable laver tout si pour laver nous plus que tendance à laver en partie dans rideau qui dans douche là qui dehors et plastique là qui permet que l'eau pas sortir de douche là al tombe a terre, c'est ça le parti imperméable là, eh bien, nous toujours, yo toujours qui tendance à négliger. Oui, côté que vous avez lavé ça qui est en toile, mais ça qui est en plastique, yo, comme on dit, yo toujours négliger pour que vous essayez laver yo parce que, ou bien, vous pensez que avec produit qui est utilisé pour la VA, il n'est pas facile de tâcher. Et c'est ça que moi, venez avec vidéo ça, je vous dis, pour partager avec vous, kit ou gagner un rideau douche, kit lisse en toile ou bien lisse en plastique, ou capable de laver et l'absorber très propre après que vous finissez la ville là. Et c'est pour ça que
Et qui ça a besoin pour nous faire ça? Eh bien, on a besoin en trois bagages seulement. On a besoin de l'eau qui tiède. Nous servir avec de l'eau tiède. Spécialement si nous avons une machine à laver, certainement nous avons ou bien laver la machine à laver, d'un côté, vous mettez warm water. C'est l'eau tiède là, vous êtes capable de servir avec lui. Et vous avez ça qui est aussi bicarbonate là, ou bien potasse. Et ça, c'est baking soda. En anglais, eh bien, c'est les mêmes qui bicarbonate là, ou bien potasse. Et de même tout, on a besoin ça que y aurait un white vinegar. OK? White vinegar. Et qui ça que n'a fait avec yo les ou gain trois éléments ça yo. Et bien ça que ou fait ou fait vider de l'eau, m'a connait gain une série de machines en no technologie pour nier. Ou bien je mettais tout bas yo dans rad là dans machine là avant même que ou fermer ni et on fois que ou fermer ni li fermer on fois pour tout. Alors si t'es genre des machines ça que yo gagne moi crois que ou capable faire mélange là de yo dans un bocal ou bien dans yo cuvette avant que ou mettez la machine là pour permettre que baking soda avec vinaigre là, avec de l'eau chaude, il est capable de faire un seul pour qu'il fasse une réaction dans la machine. Moi, je dis ça, c'est parce que si vous mettez seulement baking soda avec vinaigre là, dans la machine, ça fait après pour doit couler là-dedans, il est capable de faire un effet dans le rideau douche là. Parce que avant qu'elle vienne de l'eau, c'est ça fait que je suis pris en mouillé dans un vaisseau avant que vous mettez dans la machine là, et vous capable pour la peine. Et qui ça, comment faire ça? Vous prenez une tasse de vinaigre là, vous mettez de l'eau dans la machine là, si vous avez une ancienne machine là, vous coulez de l'eau d'abord, après vous mettez la radio, et ensuite vous mettez un soupe qui va bailler là. Mais pour ça, ça va faire, lorsqu'on coule de l'eau dans la machine, là, vous videz une tasse dans le baking, dans white vinegar, et ensuite, vous ajoutez un quart de tasse baking soda, vous mettez dans l'eau, et vous brassez pour que le baking soda et avec vinaigre live in foncer. Bien entendu qu'il est capable de monter, mais comme machine, il est grassé, il va déborder pour bagaille. Après ça, vous mettez le rideau dans la machine. Alors, si vous avez seulement une ou deux grands rideaux là, il ne peut pas recommander pour juste laver le rideau dans la machine, juste pour deux grands rideaux. Vous comprenez ça, mais si vous avez plusieurs un rideau la caillou, ou mettez tout ensemble, il est capable de faire, mettez machine au moins en demi, ou bien un quart, un tiers plein, après ça, ou capable de mettre de l'eau, ou laver, ou fois qu'on fait mettre un baking soda, vinaigre là, et rideau dans machine là, eh bien, ou laver, ou quitter laver, t'as pour laver normalement. Yeah, ou laver normalement, et il lave au premier lave, il rince li et il rince li encore. Et là que machine a vinn rete à toi, ça qu'on fait ou sou ou prend rideau yo ou sou que yon après l'autre pour que retirer toute pli qui était capable bien pendant qu'il a lavé a, mais ou pas mettre li dans séchoir. Ou va mettre dans séchoir pour le sèche, puis pas sèche trop vite. Et ou capable tendre li sous yon ligne ou bien ou capable plier li mettre dans sèche et pendre ni et consacrer il capable sécher naturellement. Alors c'est ça fait que et rideau yo absorbe propre très propre et toute tache savon crasse qui était collé dans rideau a et bien l'offre la venir normalement et absorbe dans rideau a. Quitte c'est
ça qui est en toile là, ou bien ça qui est en plastique là, eh bien, on est capable de mettre tous deux dans la machine là et à laver très bien. Et à retirer toute crasse et tout. Et c'est comme ça que l'on retire, ou après, rideau a normalement très propre. Ni ça qui est en dedans pour mettre dans ton blanc qui est imperméable là, plastique là, et ça qui dehors tout pour modèle et préparer un aspect en toilette tout, et bien pour capable laver normalement et après propre. Ordinairement, ça qui dehors pas tellement sale et attend gain crasse savon là-dedans parce que l'eau avec savon pas touché ni, c'est seulement ça. Vous mettez dans ton blanc qui est tout l'eau qui empêche de l'eau tomber dehors. Ton blanc, c'est vous-même qui besoin plus attention pour laver comme ça, pour traiter et après toute crasse savon là-dedans. Merci vous-même, tout quel soit côté que vous y a, vous pas gain accès pour des machines à laver pour faire ça. Eh bien, si on est capable de faire, on est capable de bouillir en demi, ou bien mettons de l'eau tiède sous du feu. Et lorsqu'on met de l'eau tiède là, en mesure qu'on est capable de manger sans aucun problème, pas boulot, parfois rien. Lorsqu'on fait ça, ou bien on prend quantité pour quantité rideau que vous voulez nettoyer, eh bien, si on fait, on fait mettre de l'eau. Mais donc, si t'es un gallon, bien 2 gallons de l'eau capable un peu faire le tiède, lorsqu'on fait ça, on mettez même quantité baking soda, une tasse, un vinaigre là, une tasse, et baking soda, un quart de tasse, on mettez là-dedans. Of course, à cause de vinaigre là avec un bicarbonate là, bien, il va faire une chimique réaction, il a monté, eh bien, il pas monté tellement haut, surtout sous grand pile d'eau là-dedans. Et là, fait ça, au cap mettez le drapé pour environ 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. Et là, après ça, au cap bah, on petit frotter à main haut. Et là, fin bah, frotter à, et on rincer normalement, tant que, ou tape laver un rad, ou tape avec main haut. Et là, fini, ou encore mettez le souligne, pour que les capables sèchent, ou bien ou capable encore plier, ni si pas grand peu d'espace, ou capable plier, les capables plier, ils ont là, ou mettre le sèche, et comme ça fait, ils sont capables sèche. Et comme ça, ou à content, ou à rideau, que, ou t'es qu'on jeté, ou t'as dit, ou t'es qu'on est, ou t'as jamais jeté tout rideau, que, ou t'es qu'on remet, mais par le fait qu'ils étaient sales, ou t'es obligé de jeter, pour que, bafoum par un nouvel aspect. Alors, moi pourquoi finir les laver les affaires, mais alors, je bah, connais qui genre de résultats qui va venir. Mais au même si vous pas de machine, ou avez accès pour laver avec main, selon le procédé que bah, eh bien, on va partager les résultats que vous trouvez avec moi-même et sur Chanel là. Et comme ça, plus le monde va dire, oui, il marche. Et même les qui ont pas de machine, ils sont capables de faire des avec moi. Et on va avoir un bon résultat là-dedans. Alors, encore, c'est tout ça que vous avez gagné. Vous avez voté pour nous dans la vidéo, ça, aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il va aider à économiser l'argent que vous avez gagné pour qu'on a changé le rideau de temps en temps, un rideau shower. Et comme ça, que on capable de venir l'argent, ça, pour faire l'autre bagarre avec lui. Et en même temps, tout, rideau là, dans le on capable de très propre. Et on va faire ça à chaque fois que on a nécessité pour laver rideau, dans le bathroom, dans la toilette, dans le shower. OK? Et c'est ça qui me dépote pour nous. Et moi, j'espère que vous trouvez que il va aider ou à kembe kayo propre et à nettoyer rideau la kayo sans qu'on va dépenser yon vom l'argent pour ça, des bagages très simples, environ $5, capable de plus que ça que au besoin, juste baking soda, si vous venez dans un store, yon dollar ou à venir à 99 cents ou bien dollar 29.
Et ça, encore, dans dollar store, à venir pour un dollar, peut-être vous pouvez payer en 5 ou bien 6 cents en comme taxe là-dedans. Dollar va venir normalement la caillou pour fou. Alors, moi, j'espère que vidéo ça va aider vous. Et c'est ça faire que m'a demandé vous. Abonnez à la chaîne là et partagez-le à tout le monde qui est sous contact. Pour ça, plus de monde va arriver à une information sérieuse, quel que soit à côté qui vous est. On a vu dans Facebook, dans Instagram et dans Twitter. C'est des amis nous, en cours pour qui côté vidéo ça pour nous dire. Toujours été branché pour la prochaine vidéo. Bye bye.